Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 astuces simples mais super utiles que vous devez absolument connaître pour utiliser efficacement ChatGPT. Je pense que cette vidéo va être relativement courte, donc regardez-la jusqu'au bout afin de ne manquer aucune astuce. Ne perdons plus une seconde, voyons tout de suite la première astuce. Quand vous demandez à ChatGPT d'écrire des textes relativement longs, comme ça a été mon cas ici quand je lui demande d'écrire ma présentation selon le chemin du héros de Joseph Campbell, je suis en train de vous préparer une vidéo, on en reparle dans une prochaine vidéo, eh bien, il peut arriver parfois que ChatGPT se coupe en plein milieu, il ne termine pas. Par exemple, ici, le paragraphe se termine par « si vous êtes prêt à travailler, et il s'arrête ». Du coup, eh bien, pour ne pas avoir à tout refaire, etc., il y a un mot extrêmement simple, il suffit de lui dire « continue ». Et quand vous lui dites « continue », boum, regardez, il repart exactement là où c'était arrêté. Si vous êtes prêt à travailler dur et à persévérer, vous pouvez atteindre l'objectif que vous cherchez à atteindre. Et donc, il termine le texte qu'il avait commencé à écrire. Voilà, donc ça, extrêmement pratique. Si ChatGPT s'arrête en cours de route, dites-lui simplement « continue » et il reprendra là où c'était arrêté. L'astuce numéro 2 concerne l'utilisation des réponses au format liste que ChatGPT vous donne. Par exemple ici, j'ai une liste de 8 arguments que j'ai demandé à ChatGPT. Et peut-être que j'ai envie qu'il développe les idées, qu'il aille plus loin pour chacun de ces arguments afin de rentrer plus dans du concret. Et même si je pourrais lui dire « développe chacun des points de cette liste en me donnant des exemples concrets », peut-être que j'ai envie de ne prendre qu'un certain point. Et du coup, je pourrais lui dire « développe les 4 premiers points en me donnant des exemples concrets, des illustrations ou des chiffres qui prouvent et démontrent l'idée de chaque point. » Ou je pourrais très bien lui dire « développe le point numéro 2 ». ChatGPT comprendra alors de quel point je parle. Et ça, ça peut être extrêmement pratique quand vous avez une liste et que tous les éléments de la liste ne vous intéressent pas forcément et que vous voulez eh bien, aller plus loin sur un ou plusieurs points de la liste. Par exemple, ici, dans le deuxième cas, je lui dis « super, maintenant, fais la même chose pour les 4 points suivants » et il a très bien compris et il repart avec le point numéro 5, puis le 6, le 7 et le 8. La troisième astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'est à utiliser lorsque vous savez que vous allez devoir produire ou demander en tout cas à ChatGPT un texte très long, peut-être de 500, 600 ou 700 mots. À ce moment, il peut être utile eh bien, de lui demander de faire l'écriture en plusieurs étapes. Et là, on pourra lui dire, par exemple, « écris les 300 premiers mots d'un email de 600 mots ». Évidemment, cette requête-là viendrait après avoir donné du contexte et des informations sur ce que je cherche à obtenir. Mais là, dans ce que je veux partager dans cette astuce, c'est tout simplement de décomposer l'écriture en plusieurs étapes. Vous pourriez lui dire « écris les 300 premiers mots » et ensuite vous lui diriez « eh bien, termine l'écriture de l'email avec les 300 mots restants, par exemple ». Et là, eh bien, ChatGPT va segmenter l'écriture du contenu et vous allez avoir plus de maîtrise sur la façon dont ChatGPT va vous apporter les réponses. Voilà pour cette rapide vidéo avec les 3 astuces, comme vous le voyez, qui sont simples, mais vraiment extrêmement utiles. Ma question du jour pour vous, c'est de me dire en commentaire quelles sont vos astuces à vous, quelles sont les petites requêtes simples, du bon sens, du quotidien, que vous utilisez peut-être avec ChatGPT, mais qui sont extrêmement utiles et qu'il faudrait connaître. Partagez-moi eh bien, vos feedbacks et vos idées en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.